Salut à tous, ici Alika, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon let's play sur Final Fantasy X. Un live cheveux un peu mouillés, alors là ils sont quasiment secs parce qu'il fait toujours chaud. Et ça permet de me rafraîchir du coup, d'avoir les cheveux un petit peu mouillés, donc voilà, c'est pas très grave. Et ça va très vite sécher, et en attendant moi ça me fait du bien, voilà. Et donc c'est principal pour pouvoir supporter cette chaleur, j'ai toujours mon ami fidèle le ventilateur, que normalement vous n'entendez pas, et tant mieux, parce que moi il m'est très précieux. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser en plein écran, enfin en plein écran, avec moi en petit. Nous passons sur Final Fantasy, et on va charger la partie. Alors, nous sommes arrivés dans un nouveau village dont j'ai oublié le nom. J'ai encore ça ? Non, je peux le passer, c'est bon. Très bien. Tac. Donc je disais que on est arrivé dans un nouveau village la dernière fois. Et on m'a fait une remarque pertinente, c'est que je ne fouille pas assez. Et du coup j'ai manqué de... Je fouille pas assez et je ne parle pas assez avec les gens. Ce qui fait que j'ai raté l'occasion d'obtenir des potions, des choses en plus qui pourraient m'aider, éviter de mourir comme une merde, comme ce fut le cas la dernière fois, voilà. Donc je vais essayer de parler un petit peu plus aux gens, notamment, qu'est-ce qu'il veut, Lucky Court ? Est-ce que je peux lui parler ? Quand je serai grand, je serai Blitzer ! C'est bien. Toi, tu veux quoi, mamie ? Je suis née dans ce village, je ne vais pas déménager maintenant pour quelques planches à remettre en place. Certes. Et toi, tu veux quoi ? Vous avez passé une bonne nuit? D'accord. Bon. Là, est-ce que je peux faire quelque chose sur cette tablette? Ah oui! Alors ça, il faut juste que je le regarde, mais de mon côté, hein, n'est-ce pas? Donc on verra ça plus tard. Je reviendrai là, si besoin. Alors, donc je sors. Et je vais essayer de fouiller un peu plus et de parler aux gens. Si on m'en laisse l'occasion, évidemment. You awake? Captain Walk is waiting for you. D'accord. Je vais parler quand même aux gens. Hein. Salut ? Non, je peux pas te parler à toi. Ok, assis. Il y a tellement de réparations à faire, je ne sais que par où commencer. Mamie ? Papy ? Grâce à Mademoiselle Yona, nos défunts ont pu trouver le chemin de l'au-delà. Quelle chance qu'elle soit passée par ici. C'est Yvon qui nous l'a envoyé. Alors, si je vais là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai tenu un truc. J'ai appris la lettre D, ouhou. Ok. Toi. Ah oui, c'est le bar qui était fermé hier. Très bien. Je vois. Ah merde. Ah, there you are. J'aurais pas dû venir là tout de suite. Bisset Aurochs, huddle. Onto the temple, where we pray for victory. Go! High Summoner O'Holland used to live in the Kilika Temple here. Yep, Lord O'Holland was once a great blitzer, you know. Waka. Hmm? Praying for victories, all good. But is this right? Something wrong with enjoying Blitzball? Is this really the time? This is the only time. Players fight with all their strength. The fans cheer for their favorite team. They forget pain, suffering. Only the game matters. That's why Blitz has been around for so long. At least that's what I think. Whatever you say. Let's play and win, right? Est-ce qu'on va pouvoir jouer? Right. Je pense pas, mais on Temple's beyond the jungle there. Let's go. Oui, alors attends, parce que moi j'ai dit que j'allais parler à des gens. Donc... Excuse-moi, mais... Ah, il y a un coffre. Bah oui, je vais acheter des choses. Je n'ai aucune idée de... Ah, d'accord, si ce sont des équipements. D'accord, donc alors, ça va m'apporter une attaque physique plus 5%. Le bâton d'érudit,
Ah si, analyse. Bon, j'avoue que je comprends pas très bien, mais Waka, il a la balle électrique, alors pourquoi j'ai... Des trucs, on verra bien ce que ça donne. Ça, c'était pour Kimari, Lulu. Ce sont des compétences, en fait, c'est ça. D'accord. Moi, je vais pas tout acheter non plus, j'ai quasiment plus de thunes. Bon, sortir. Attends, je peux te vendre un truc ? J'ai peut-être des choses qui me servent à rien. C'est bon, merci, au revoir. Moi je veux des trucs gratos, allez. On était tous heureux avant l'arrivée du tournoi, mais Signe est venu tout gâcher. Du coup maintenant on a perdu toute motivation pour s'entraîner. Alors ça c'est dommage, faut se remotiver. Ah, toi qui nage, ah non. Bien. Si on gagne le tournoi, on va redonner le moral à tous les gens de l'île. C'est ce qui me motive à m'entraîner encore plus. Bah entraîne-toi, entraîne-toi. Super. Alors, toi, t'as un truc pour moi ? Je dois être atteint du mal de Signe. Je ne me souviens ni de mon nom, ni de l'endroit où j'habite. J'espérais qu'en m'asseyant là, quelqu'un me reconnaîtrait et viendrait me chercher. Mais personne ne fait attention à moi. Tout le monde est trop préoccupé par ses propres problèmes. Ah bah, c'est la vie, mon gars. Bon, toujours pas de potions. Ça, c'est mon grand manque, ça, les potions. Donc, j'aurais bien voulu en trouver. Donc ça, c'est le bar. Et ils ont rien. Bon. Apparemment, on va passer sur une ciné. Ah non. Alors, toi, t'es allongé, tu fais rien. Là. Je voulais croire que tout ceci n'était qu'un mauvais rêve. Mais ce matin, en me réveillant... Mon ventilateur déconne. Qu'au matin, en me réveillant, tout serait redevenu comme avant. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et non. De toute façon, si Signe revient, il faudra tout recommencer. On passe notre vie à réparer les dégâts qu'il cause. Oui. Alors... Je peux pas parler à la fille là qui pleure ? Manifestement non. Et je peux aller là ? Oui. Mon mari est atteint du mal de Signe. Pardonnez-lui, il ne sait plus ce qu'il dit. Qu'est-ce que tu regardes toi ? Laisse-moi tranquille. Ok. On se fait envoyer paître en plus, c'est merveilleux. Ah moi maintenant qu'on m'a dit qu'il fallait que je fouille plus, je vais parler à tout le monde. Ah, une boule de sauvegarde. Allez. Oui. Ah non, mais on n'est jamais trop prudent, hein, vous me connaissez mal. Ça sent le combat. En plus, je n'ai pas de potion depuis mon dernier truc. Je sens la merde arriver. Yuna's saying she wants you with us. Huh? I want to ask you to be my guardian. Yuna, what? There's no time for jokes, yeah? He may be a blitzball whiz kid, but up against fiends, he's a newbie. Newbie. Not a guardian then. I just want him nearby. What? What? Tellement choquée. What do you mean? It's just that, well, we're all going to the temple anyway. Can't this wait till later? I'm sorry. I shouldn't have. There's nothing to be sorry about. I'm just not really sure what's going on. Quelle naïveté. My apologies. Lui, il va être jaloux, c'est sûr. Alors, est-ce qu'il y a des trucs difficiles ? Oh non ! Une graine au but, ok. Ah ! Direct ! D'accord, comme ça. Why don't you use Lancet on it ? What's a Lancet ? Normally, it's a skill that weakens enemies and heals the user.
But when Aronso uses it, that Ronso can sometimes learn Fiend's abilities. Oh. Hey, sounds cool. Legal. On va essayer ça tout de suite. Ah, on a appris Grenoble. Putain, mais c'est comme les Pokémon, que c'est. Est-ce que j'utilise ton overdrive? Non, parce qu'à tous les coups, on va se taper un boss. Vulnérable au feu. Bon, bah, j'utiliserai la magie tout à l'heure. Si tu ça. Oui, parce que j'ai appris qu'encourager, moi je pensais que ça servait à rien, mais en fait ça augmente la résistance de mon équipe. Donc c'est très bien. Alors, magie. Attaque de feu sur un ennemi faible. Bah, pourquoi? C'est une plante. Bah voilà. C'est très efficace, c'est bon. Et on a eu des points d'expérience. Et une sphère mentale, très bien. Moi, je vais voir si je trouve pas des potions. Hein. Sérieux, je suis à la dèche de potions. Bah, au moins, ça fait gagner des cartes. Ah, on a des abeilles en plus, super. Alors, Titus, qu'est-ce que t'as? Allez, encourage. Let's give them all we got! Ouais. Aïe. Ouais, mais encore une fois, je garde. Allez, on va prendre la... On va essayer d'apprendre une attaque de la bébête. Raté. Alors, toi et ton magie, on va faire brasier sur celle-là. Burr. Titus, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Encouragez-nous. Ouais, non, mais j'aurais pas dû faire ça, c'est débile. Waka's in charge of flyers, remember? Oui, c'est vrai, mais sauf que Waka, je l'ai pas, donc je vais remplacer Tidus la prochaine fois. Ça, c'est pareil. Heureusement qu'il rate souvent, hein, parce que punaise. I could take care of those alone, huh? Ah ouais. Parfait. Effectivement. Qui marie. Ah ouais, mais. Abeille tueuse, vol vulnérable à la glace. Freeze. Allez, overkill. Bon. Non mais c'est bien, ça fait de l'expérience. Sur mental, sur agilité. Bon, on gagne des trucs. Comme ça après je pourrais aller voir dans le sphérier. On s'entraîne pour l'opération. Ok. Bon, là-bas, c'est vers là où je dois aller. Moi, je cherche des choses à ramasser. Ah non, merde! Non, 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 non! Non, 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 pas tout de suite. D'accord. Je suis avec qui, toi? Bon. C'est quoi ton spécial? On va faire ça, tiens. Alors toi t'as ton overdrive, oui carrément, parce que c'est un boss, donc on va l'utiliser. Alors, toi t'es vulnérable à quoi? Oh mais elle a l'air bizarre elle, qu'est-ce qu'il lui prend? Elle est empoisonnée par hasard, je sais pas. Ah ouais, Lulu. Lulu. J'ai vraiment plus de potions, c'est terrible.
griffe empoisonnée. Ah d'accord, elle est empoisonnée. Attends. C'est quoi objet. Antidote. Soit que si elle meurt, non, je vais plutôt garder ma cutlass. Alors, toi, tu vas l'attaquer. Allez, Lulu! Ah bah oui, elle est morte. Du coup, j'ai queue de phénix sur Lulu. C'est pas énorme, mais au moins elle est plus empoisonnée, comme ça. D'une pierre de coups. Alors, donc toi tu vas faire... Ah, ça t'a pas enlevé ton attaque. Okay. J'ai l'impression que ces cités, ça a pas marché sur ce coup. Ah oui, non, il se garde. Okay. Ah, mais ça fait hyper mal en plus. Alors, toi... Fais-nous un petit Ryuken. C'est assez efficace. J'aurais bien aimé voir combien de PV à mon ennemi. Ça aurait été pratique. Ah, on peut fuir. D'accord, j'ai deux fois la même chose. En fait, j'ai acheté un truc que j'avais déjà. C'est bien ça. Non, je voulais pas fuir. À toi, alors. C'est nul. Magie. Pour l'instant, c'est elle qui a le truc le plus efficace. Alors, je sais que j'ai Yuna avec sa bestiole aussi. Qui est bien. Et Lulu, elle est en train de... Ah, il est empoisonné, lui, merde. Qui marie. Je vais te changer avec Yuna. Ça, ça fait quoi? Je peux le soigner. Voilà. Ah, il est vulnérable au feu. Oui, d'accord. Bah, attends. Le sec, d'accord. Il s'endort. D'accord. Ah, il récupère du coup? Mais non. Mais c'est abusé. On va y aller parce que... C'est pas que c'est à faire. Normalement on va aller fort, il devrait m'aider. Il a des attaques vénères. Il faut qu'il se réveille, lui, là. Oh, mais attends. Tu vas te réveiller, oui. Ça m'a rien fait, je vole. Ah, ça y est, il s'est réveillé. Non, parce qu'à un moment donné, s'il lui enlève des HP et qu'il les récupère aussi sec, on va s'en sortir. Il faudrait mourir à un moment donné. Ah. Faire mon overdrive avec plaisir. Ça l'a pas tué. Non, 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 tu vas pas m'empoisonner. Ah. Ah. Comment tu es pas l'effort? Est-ce que ça sent le poney peut-être? Bon bah Yuna, salut. Je vais la rappeler. Alors toi... Ah oui d'accord, si, pardon. J'ai ses HP donc il lui en reste 1200. Ah c'était quand même 4000, putain.
Mais je vais y aller doucement, en force. Yuna. Tidus, je me souviens plus ce qu'il a comme. Je vais rappeler Waka. Bah, on va y aller tranquillement, hein, si c'est ça. Allez, plus que 600. Non, tu vas pas attaquer avec ta peluche. Tu vas me faire un brasier, s'il te plaît. Ah non, 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 hein, tu rendors pas. Hein. Putain, mais c'est long, hein, sérieux. Mais attends, ils sont tous dans la merde, on va tous perdre en fait. Yuna. Tu vas me soigner. Tu vas me soigner Kimari. Toi, tu vas faire de ton mieux. Pourquoi je sens que je vais perdre Waka? Mais ça va. J'en suis à toi. Allez, il est bientôt mort, c'est bon. Ouh. Alors, je sais pas si je récupère. Non, je sais pas si je récupère leur PV. Est-ce que lui, il reste empoisonné? Aucune idée. J'ai eu une hallebarde, cool. Je vais la donner à. Wow. A summoner and her guardians, very impressive. Sir, we should fight too. We'll get our chance soon enough. Young crusaders gather around. We'll da 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 da. Bon, bah c'était pas ça que je voulais faire tout de suite, mais. Do your best, kid. Waka's counting on you. Ah. Merci. Et toi, tu me donnes quelque chose? After the tournament, you should join the Crusaders. Ah, il y a un sigle. Qu'est-ce que c'est? Un truc que je peux pas lire, très bien. Alors, où est-ce que je suis pas allée? Est-ce que je re-sauvegarde? Oui. Un combat, une sauvegarde. Hein. J'ai pas envie de le refaire. Alors, où est-ce que je suis pas allée? Là, je crois. Ah, moi, je suis... Ah. Je suis à la recherche de potions, moi. En même temps, je prends de l'expérience. Mais... Tu vois Kimari, il est plus... Bah, c'est bon. Très bien. Bah, du coup, tu me sers pas grand-chose. Et Valéfort, il est ressuscité. Donc... Ah, parce que j'ai sauvegardé. C'est vrai. Donc, j'ai eu raison de sauvegarder. Tu sais, je vais faire combattre un peu. Je vais changer. Now what? Je vais me faire de l'âge de zoo sur le truc électricité. Anyone thirsty? Normalement. Si j'ai pas dit de conneries. Toi, tu fais la baballe, donc sur le truc volant. Et toi, t'es costaud pour. Voilà. Du coup, elle m'attaque. Elle m'a empoisonné, super. Vulnérable à la glace, bah non alors. On va mettre de la glace. Nickel! Ta-ta-la. Bah il monte petit à petit hein. Ah je m'occuperai des sphères entre deux des points. Ah un coffre, donne-moi des potions bordel. Sphère mentale, d'accord. Bah, j'ai bien fait de fouiller, c'est un très bon conseil. Est-ce que je suis allée par là? Je crois que oui, je suis perdue. Ouais c'est le truc où je suis allée tout à l'heure.
Ah non, désolé. Bon bah ça fera encore de l'expérience. Alors nous en sommes à toi que tu vas faire le volant. Je suis contente d'avoir ce truc qui me donne les stats de l'ennemi parce que c'est bien pratique. Alors j'avoue les petites boules à côté là je comprends pas trop ce que ça signifie mais je crois que c'est ce qui est marqué. Élément tonnerre, vulnérabilité à l'élément opposé. Il a 300 de HP. Tonnerre, c'est ça. Et voilà. Non mais c'est bien, ça fait de la... qu'est-ce que je disais? Oui, je fais demi-tour et je vais aller là où on m'attend. Ça fait de l'expérience et c'est important. Oui, je suis arrivée par là, j'ai fait le tour. Ensuite, je suis allée là. Encore un combat, désolé. Mais en même temps, quand on fouille, forcément. Quand on fouille, on a des chances de se taper des combats. T'es pas mort encore ? À toi, donc là tu vas faire le volant. Paf dans ta gueule. C'est à qui? Putain, qui m'arrive quoi. Merde! Je voulais pas faire ça! C'est nul! Elle est nulle avec sa peluche, punaise. Qui marie, il va mourir. Bah il est mort. Mais du coup, est-ce que je le récupère à la fin du combat ou pas du tout? Faut que j'ai re-sauvegardé. Ils sont contents alors qu'il y en a un qui est à terre, plutôt. J'ai gagné des choses. Putain, alors je stresse de faire des combats. Enfin, c'est ça. C'est pas que je stresse, c'est que j'ai envie de fouiller sans tomber systématiquement sur des combats. Mais bon. Ah bah non, il est là. Ah, un. Attends. I'm ready. Ouais, bah en fait, tu vas soigner notre ami. Putain, j'arrive pas. C'est super chiant ça. Voilà. Merci. Aid us. Des fois, c'est pas très précis, je trouve, la pour changer de personnage. Bon, bah toi, ça va beaucoup mieux. Toi, tu vas nous faire une attaque avec de l'eau sur le truc électrique. Aïe. Yuna. Qu'est-ce qu'il a qui me... Il a l'air bizarre. Light shine strong, our woe be gone. Ça sonne. Bim. C'est une VOD de combat. Oui. Aqualam. Et on a des sous, on a plein de trucs. Ok, bon. Écoutez, hein, j'ai assez fouillé, c'est bon, on verra bien. On verra bien sur quoi je vais tomber. Ah, un coffre. Voilà. Complètement au hasard. Une sphère chance. Attends, est-ce que je serais perdue? Ouais, c'est possible. Du coup, j'arrive par là. Bon, encore un combat. Alors, toujours les mêmes babettes en plus. Alors, toi, pour l'instant, tu ne me sers pas grand-chose. Attaque ça, si tu veux, mais...
Let us guardians handle the likes of these. Oui. J'aurais dû changer en fait. H2O sur ce truc. On dirait trop un Pokémon en plus. Tu m'as pas empoisonné? Non, ça va. Bon, Luna, Luna. Merci, mais Luna quoi. It's over. Bim. I'm good, yeah. Et ouais. Au fort Waka. Yuna, bah oui, elle a pas un très fort niveau. Forcé de constater que. Alors, c'est par où mon truc là? Je suis perdue. D'accord. Perdu. Je suis en train de refaire le tour de ce que j'ai fait. Donc ça va. Ah oui, direct. Toi, tu vas attaquer le lézard. Bon bah ça y est. Non mais c'est bien aussi de prendre l'expérience parce qu'à un moment donné je vais me faire déchirer moi. Il faudrait que je fasse jouer un petit peu Tidus aussi. Parce que Tidus je le fais se balader mais pas du tout combattre. Non, je vais essayer de retrouver le droit chemin en vrai. Hein. Là je suis un peu perdue. C'est des trucs là. Ah il y a un coffre. Je le savais. Mais il y a deux saloperies aussi. Alors. Général au feu. Une balsamine. Non mais je vais utiliser tout sur la même. Parce que comme ça, il y en a une seule qui va mourir et je vais même prendre deux attaques ennemies. Voilà. Elle est toujours pas morte, les temps passés. Ah, ils attaquent pas en fait. Bah très bien hein. Voilà, au moins j'en ai qu'un seul qui m'attaque. Ah Waka, t'es en difficulté. Attends. Oh tu vas retrouver tes PV, ça va, après le combat. Magie, brasier, bim, allez hop. Pas le temps de niaiser. Ah il était mal en point mais attaque quand même. Mon tank il s'est tout pris. Et voilà. Non j'avoue je sais pas trop s'ils reprennent. Il faudrait que je regarde s'ils reprennent leur PV. Peut-être que quand ils gagnent un niveau, ils reprennent le PV. Mais là ça va, ça augmente vite hein. J'ai une thune. Mon coffre, donne-moi une potion. Une recruteuse, d'accord. Faut que je retrouve mon droit chemin. Ah bah c'est là, c'est tout droit. Allons-y. Ça, ils sont tous... Non, ils reprennent pas leur... Bon, Yuna. En fait, oui, les potions, mais quant à Yuna, c'est... C'est bon. Si Yuna est dans la place, on n'a pas de soucis. Sauf quand elle s'en prend pas la figure. Et tu peux te soigner toi-même, Luna, ou... En fait, j'ai pris Waka pour lui remonter ses PV, mais du coup, Luna, je me demande si elle peut aussi le faire. Bon, si Yuna elle est KO, tu peux faire sur toi-même? Oui. Très bien. Faut juste être un petit peu. Anticiper un peu pour pas que tout le monde se retrouve dans la merde. Mais sinon, ça devrait le faire. Ah! Ah ouais, Lulu elle est dans le mal. Lulu, elle est dans le mal, de ouf. Mais toi, tu vas soigner tout le monde, hein, je te dis. C'est ton rôle.
Et le prochain, c'est Waka. Bon, elle est là pour soigner les gens. Alors, toi, tu vas attaquer ta bouboule. Allez, hop. Avec mettre de la foudre, hein, on va voir. Oh bah c'est bon. C'était même un peu trop sûr. Ta-ta-da. Que des niveaux en plus, c'est magnifique. Mais ils vont trop vite. Je pense que je vais pouvoir faire des trucs après. Hein. Je vais essayer d'avancer un peu, là j'ai l'impression d'avoir rien fait. On est dans la forêt et puis basta. Ah mais en fait j'y étais. Non, j'y suis pas du tout. Mais punaise. Merde. Alors, toi, tu vas soigner machin qui fait mal en point. Mais je vais en faire des combats, j'arrête pas de me paumer dans cette forêt de... Je me suis complètement perdue, c'est terrible. Alors, on va raser sur ça. Raté. Alors bah toi on va faire de la magie de soin sur elle. Bien que je pense pas qu'elle en ait. Non elle était à fond. C'est inutile. Toi tu vas faire. Quoi que. Stay down. J'aurais dû peut-être enlever le poison de notre ami Waka. Je suis Lulu. On va faire un petit peu de brasier sur notre plante. Elle est morte. Toi, tu vas soigner. Ça va beaucoup mieux. Dans ton overdrive, à toi, on va le garder. Parce que si jamais on a un boss. Ça va être mille fois trop puissant, mais bon, c'est pas grave. C'est ce que overkill veut dire, n'est-ce pas? Balle de glace. Cool. Non mais en vrai, il faut quand même que je trouve mon chemin. J'ai pas une carte. Là mais c'est par où le chemin? Par là? Je pense. Ah. Focus on the fight. Ouais. Ah! Voilà. Elle est très utile, hein, il n'y a pas à dire. Et là, au moins, toi, tu vas nous faire de l'eau sur le machin électrique, sur le Pokémon. Toi, tu vas aller soigner Waka. Elle est empoisonnée, c'est vrai. Bah, tu vas te soigner toi-même après, plus tard. Toi, Mim. On va pas faire de l'overdrive, c'est des petits trucs comme ça. Why don't you let the boy handle that one? The boy? Newbie here. Sorry. Faut que je fasse combattre un peu lui. Il a quel niveau Tidus? Voyons voir. 5? Ouais, ils sont tous 9, tu sais. Ça a l'air d'être par là. Oui, c'est ça. Alors. Soigne-toi toi-même, je crois que t'en as besoin. Voilà. Toi. Ah oui, j'ai encouragé de Tidus ici. Qui est un peu résistant. Bon, on va le faire d'ailleurs. Ah.
Soigne-toi toi-même. Raté, Titus. Yuna, est-ce qu'il y a des gens à soigner? Non. En fait, elle remplace toutes les potions du monde. On peut pas passer ton tour. Bah si, je peux passer ton tour. Bien sûr que je peux passer ton tour. En faisant comme ça. C'est une VOD de combat, mais pure et dure. Ouais, Titus. Titus et Kimari sont au niveau 5 pour le moment que leur poste va travailler. C'est par là, ça y est, j'ai enfin retrouvé mon chemin. Ouh. Oh, oh! These stone steps have a history, you know. Yep, Lord O'Holland trained here at his peak. A race, huh? Think you can beat me? Yuna, if you would. Ready! Hey! Ah, huh? Hey! D'accord, ok. Ah, un point de sauvegarde. La folie de la sauvegarde. Bon, je vais pas arrêter maintenant parce que même si ça fait 45 minutes qu'on joue, j'ai quand même l'impression qu'il s'est rien passé. Donc on va continuer. Et en même temps, j'ai un doute parce que je me dis si je déclenche un truc ici... Allez, je m'arrête là et puis on reprend après. Tac, tac, voilà. C'était une VOD, je mets pause. C'était une VOD de combat, d'expérience et de balade dans les bois. Voilà. Du coup, on s'arrête là. Je reprends moi immédiatement pour la suite, évidemment, parce que je ne vais pas m'arrêter en si bon train. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play de Final Fantasy X. Bye!